Ma très chère Pascal, Frédéric, chère famille et amis, j'aimerais tout d'abord, avec Claudine, souhaiter à tous la bienvenue chez nous, et d'une façon spéciale à la famille de mon gendre, Frédéric, qui, avec Pascal, a eu la formidable idée de nous réunir hier soir, de ce qu'on a pu fraterniser et échanger. Donc, tous ensemble, merci pour cette belle idée merveilleuse. On a vraiment eu du plaisir. Vous comprendrez que je suis aujourd'hui particulièrement content. En effet, tout est prêt. Tout s'est bien passé jusqu'à présent. Je suis sûr que la soirée sera merveilleuse. Pascal, je voudrais te rassurer et te dire qu'il n'y aura pas de problème. Comme tu vois, tout va bien. N'oublie pas que tu es juste à côté de la maison sans problème. Okay? Comme tu l'appelles. Donc, Pascal pourra peut-être vous expliquer cette expression plus tard si elle veut bien. Deux ans passés, lorsque Catherine, sa sœur, s'est mariée à Stéphane, j'avais proposé à Catou, on l'appelle Catou, de se marier ici à la maison. Mais ouf, ça n'a pas marché. Elle m'avait dit, papa, imagine, il peut pleuvoir, les talons hauts dans le gazon, les cheveux qui frisent, le maquillage qui coule, les moustiques, pas question. Donc je lui ai dit, c'est OK. On mariera l'autre. L'autre, Pascal, la Pascal, l'aînée. En vérité, marier Pascal, c'était pas tout à fait dans l'esprit de personne. Elle nous répétait souvent que le mariage, ce n'était pas pour elle. Mais quoi qu'il en soit, chers amis, j'ai aujourd'hui l'honneur de vous et la fierté d'être le père de la mariée. Et pour ceux qui ne savent pas encore, la mariée, c'est cette même Pascal. Pourquoi que ce Frédéric Lemel doit être plus que spécial pour avoir réussi un pareil coup? Mais c'est vrai, il est très spécial, même super spécial. Même qu'on dit qu'il nous ressemble un peu. Et c'est évident, si ça s'avère vrai, que vous êtes manifestement fait pour vous entendre. Ça, c'est... Bon, revenons à Pascal, ma fille. Comment vous raconter et par où commencer? Pascal a toujours été, et tu l'es encore aujourd'hui, et tu le seras probablement toujours. Et ça pour moi, pour ta mère Marie-Claire, pour Cato et Claudine, un phénomène rare. Une personne d'exception. Mais c'est probablement pour ça et pour beaucoup d'autres choses que je suis fier d'être ton papa. Personne ici ne dira le contraire, tu es une fille extraordinaire. Tout au long de sa vie, comme enfant, adolescente et même jeune femme, elle a été une source de fierté pour toute la famille, mais quoique pas toujours reposante. Mais sa première qualité est sans doute sa ténacité et son habileté. Savez-vous que Pascal a gagné la médaille d'or au lancement du javelot aux Jeux d'Acadie en 88? C'est tenace, non? Détestant les études au plus haut point, elle a quand même étudié pendant de longues années. De l'Université de Moncton à l'Université de Montréal pour terminer à l'Université Laval, où elle a reçu un diplôme en droit à l'âge de 32 ans. Je me souviens encore de la journée où elle m'a téléphoné suite à une visite au palais de justice de Montréal, où elle a accompagné une jeune fille d'un centre de détention où elle travaillait pour me dire « Papa, moi j'en peux plus, ça me prend une toge. » Et moi de répondre « Ma fille, va la chercher. » Elle avait 28 ans. C'est être tenace, ma fille. Bravo. Elle s'inscrit donc à l'Université de Montréal et m'appelle en septembre de l'Université Laval. Je lui ai dit, t'es pas à Montréal, toi? Elle dit non.
J'ai changé d'idée la dernière minute. Voilà, ça, c'est un peu Pascal. Tu te souviens? Et même là, à Laval, elle est devenue la présidente de la faculté de droit, une première à l'université, comme on l'a mentionné tantôt. Et elle a reçu, pas un, mais deux maillets d'honneur, dont le principal prix de la soirée, qui est remis à un étudiant ou une étudiante qui, tout au long de son baccalauréat, a fait preuve d'une implication remarquable, active et constante, et d'un leadership positif au sein de la faculté. T'es très habile, ma fille, c'est beau. Bravo. Tout le monde n'est pas fier de sa fille. Lorsqu'on lui a fait une fête suite à sa graduation, je lui ai remis une citation d'un proverbe chinois que je m'avais faite mienne. Demain est toujours le jour le plus chargé de l'année. En d'autres mots, vous pouvez accomplir toutes les tâches que vous voulez aujourd'hui. Attendez demain, ça sera encore pire. À l'avoir travaillé, je pense que cette citation représente assez bien sa profession, celle de procureur de la couronne, et où dans sa chambre, jour après jour, pour la même cause, et toujours avec habileté et ténacité. Avez-vous déjà ostiné Pascal? Bonne chance. Elle a toujours raison. C'est dommage que ces interrogatoires se déroulent à mi-clos. Comme j'aimerais la voir débattre son point, mais une chose est sûre, si jamais vous demandez à être défendu, engagez Pascal, votre défense est gagnée d'avance. Bon, maintenant, parlant de l'autre Pascal, celle avec qui j'ai beaucoup de plaisir et qui me fait rire, mais beaucoup rire. Combien de fois j'ai dû m'arrêter sur la route, elle à Montréal, moi, quelque part ici, de peur de faire un accident juste pour rire. Celle avec qui j'ai eu des soirées bien arrosées au restaurant ou encore au club, au son des cornemuses et violons. Et encore, et avec qui? Avec sa sœur Claudine, on a fait des voyages merveilleux. En fait, nos plus beaux voyages, moi et Claudine, ont lieu en compagnie de Pascal et Catherine. Pascal, nous savons tous combien tu es brillante, tenace et passionnée. Et ce n'est pas seulement mon cœur de père qui parle ici, c'est l'évidence même. Je t'aime vraiment. Frédéric ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Tu as beau être un peu nord, reposante, il sait mieux que quiconque combien tu es spécial. Et c'est sans doute ça qui l'a fait craquer. Ensemble, je crois que vous avez tous les atouts en main pour continuer longtemps comme ça et vivre heureux tous les deux. Je m'arrête là, mais avant cela, vous me permettrez d'avoir une pensée pour ma mère, la grand-mère de Pascal, qui nous a quittés d'une façon très subite cette année et qui aurait tellement aimé voir notre Pascal se marier. Elle trouvait Frédéric tellement beau et gentil. Aussi, il y a mon père, Nicolas, qui est toujours avec nous à 89 ans, mais qui n'a pu assister à cette fête. Mais je suis sûr que ses pensées, en ce moment, sont avec nous. Et pour terminer, je remercie Claudine. Celle qui est pour moi, la maître d'œuvre de cet événement. Depuis qu'on a décidé de faire ce mariage ici, Claudine n'a jamais, mais jamais arrêté d'embellir la propriété. Elle est devenue tout d'un coup une jardinière hors pair, une architecte paysagiste et une sagouine élançable. Elle voulait que cette soirée pour Pascal soit la plus belle dans un décor et paysage impeccable. Eh bien, Claudine, c'est réussi. Merci pour ton effort. Du fond du cœur, merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous deux pour la joie que vous nous donnez ce soir. Tous mes voeux de bonheur vous accompagnent aujourd'hui et pour le restant de votre existence. Je vous aime très fort. Merci. Dans ma vie, les personnes qui m'ont le plus fait travailler, ce sont mes deux filles.
Pascal et Catherine. Ce sont aussi elles qui m'ont le plus appris sur moi-même. Pascal et Catherine, vous avez été ma plus belle passion et ma plus belle mission. Pour revenir à Pascal, quelle belle aventure ce fut. De nombreux efforts et du temps, sans compter, mais sincèrement, aucun ne fut en vain. J'ai eu la joie de passer beaucoup de temps avec Pascal. J'en garde des souvenirs très vivants. J'ai été pour elle décoratrice intérieure, charpentière, déménageuse, soignante privée, conseillère de vie et sa psychologue mère. Tout au long de son parcours, Pascal a su relever les défis de la vie et a remporté les victoires nécessaires pour atteindre son plan de vie. Aujourd'hui, je la regarde avec fierté et j'en suis éblouie, simplement. Quand je pense à elle, je pense à un rayon d'énergie, des idées plein la tête, une détermination peu commune. Pascal, pour moi, tu es synonyme de courage, de persévérance et de travail. J'ai vu Pascal se décourager et douter d'elle une fois. Elle était en septième année, au cinquième secondaire, première secondaire pour les Québécois. Je la sentais malheureuse et déprimée depuis quelques jours. Lui adressant mon inquiétude, elle me montre un livre d'astrologie expliquant le signe du scorpion, en me disant, toi aussi tu le serais si tu étais comme moi un scorpion. Je pris le livre et le lus. Pascal avait souligné les défauts de son signe, mais elle n'avait pas découvert les qualités du scorpion. Quelques-unes de ses belles qualités sont l'intégrité, l'honnêteté. Ce sont des personnes difficiles à corrompre. Ils font d'excellents avocats et juges. Sa voix était toute tracée. Après avoir établi sa carrière, Pascal rencontre Frédéric par l'entremise d'amis en commun. Elle reconnaît en lui toutes les qualités qu'elle recherche dans un compagnon de vie. Pascal venait de trouver la personne qu'elle avait besoin pour continuer sa route. Vous dire que ce fut difficile pour moi de céder ma place à Frédéric, c'est un euphémisme. J'ai dû couper le cordon ombilical et j'avoue candidement que j'ai vécu un véritable deuil et fait ma plus grosse crise de jalousie. Le temps faisant son œuvre, j'ai lâché prise en réalisant que mon rôle de mère avait changé. Aujourd'hui, je suis très fière de Frédéric et je te remercie d'être entrée dans la vie de Pascal. J'ai souvent pensé que nous avions besoin de témoins de nos vies. Frédéric et Pascal, soyez vos témoins de vie et tâchez d'être heureux. Bravo à vous deux. Merci beaucoup. Frédéric, quand il m'a demandé de faire un petit... On va te demander de parler. Est-ce que c'est trop proche ou loin? Trop proche. Comme ça? Ton menton. À côté de ton menton. À côté de mon menton? Plus ou moins. OK. Est-ce que vous avez... Parfait. Frédéric, il me dit que tu as 10 minutes. Hey, 10 minutes. Tu sais, quand tu penses à ça dans une vie, 10 minutes, ça peut être long quand tu n'as rien à dire. Hein? Et ça peut être court quand tu as beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Fait qu'Albert, je te dis tout de suite, va falloir que tu coupes son discours. Ben,
Je sais que je me répète quand je dis merci à Jacques et à Claudine, mais merci encore. Mm-hmm. Merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Merci de votre hospitalité de acadienne, puis ça nous donne juste le goût de revenir. Il faut dire que j'ai fait pas mal de routes depuis que je suis ici, pour ceux qui ne savent pas. Je me suis trompée, puis je me suis trouvée loin. Mais c'est vrai, c'est magnifique. Vous avez un beau pays, puis enfin, une belle province. Et c'est agréable d'y être. Merci. Pour continuer à les merci. Merci, Pascal, de t'être expatrié de ta province. Parce que finalement, probablement, tu n'aurais jamais rencontré Frédéric. À moins de l'avoir rencontré dans le Festival de la bière à écouter Marjo. Qui sait, peut-être que tu l'aurais rencontré là-bas. Merci, au fait, merci aussi à mes parents d'avoir initié mon fils au golf. Au Texas en 1997, je pense. Quand on était allé là en vacances, puis Frédéric a touché pour la première fois à ses bâtons de golf. Et merci Frédéric d'avoir insisté de faire tes études dans le golf. Et puis sans ça, finalement, tu n'avais jamais rencontré des amis qui t'ont présenté Pascal. Hein? Qui aurait cru que c'est le golf qui vous avait mis? Qui aurait cru ça? Mais finalement, c'est pas de ça que je vais vous parler. Puis c'est sûr que je peux vous parler de golf pendant 10 minutes. Je pense pas que c'est ça que ça vous intéresse. Mais dans le fond, ce que je veux vous dire à tous les deux, c'est que nos vies sont faites que de choix. Puis mon meilleur choix à moi, ça a été d'être mère. Puis à la femme, je choisirais les mêmes enfants, puis le même père. On avait Mylène, c'était tellement une joie. Puis hop, un autre choix, toi. 3 semaines à l'avance, puis arrivé, puis on a tous dit Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le garçon est devenu l'ado. L'ado est devenu l'homme. De quel arbre est tombée cette pomme? Fillon lamelle? Lamelle Fillon? Ça dépend. Une chose est sûre, apprendre quelque chose de Frédéric peut parfois être lent. La question des fleurs ou du chocolat, c'est comme ça que j'ai appris qu'elle existait. Alléluia. 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 Mon fils devenait amoureux. Qui était cette femme mystérieuse? Enfin, la journée de prédilection, on a tous eu droit à la grande séduction. Son charme, son accent, son sourire, son éclat. Pascal, tu nous as tous eus. Alléluia. Un texto,
un vendredi. Elle a dit oui. Elle aussi l'avait choisi. Longue vie à votre amour qui évoluera au fil des jours. Nous serons là pour les hauts et les bas. Mais aujourd'hui, nous disons alléluia. Que dit un père à son fils qui se marie? Et à sa belle-fille alors? Je suis heureux pour vous deux. Heureux, Frédéric, de te voir accomplir un pas de plus sur le long chemin de la vie sur lequel ta mère et moi t'avons engagé. Et tous mes vœux de bonheur vous accompagnent, toi et Pascal. Je suis aussi chargé de vous transmettre les félicitations et les meilleurs vœux de bonheur de la famille alsacienne qui n'est pas là, qui brille par son absence, comme vous le voyez. Et je profite évidemment de l'occasion qui m'est donnée de parler pour remercier Jacques et Claudine de leur très chaleureux accueil. Quand Mylène est née, Monique a affiché sur le mur de la cuisine un petit texte de Khalil Gibran qui disait ceci. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient de vous, ils ne vous appartiennent pas. Et cela se terminait ainsi. Vous êtes les arcs par lesquels, vos enfants, tels des flèches vivantes, sont projetés. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie. C'est un texte tout simple, mais c'est selon ces principes que nous avons voulu t'accompagner dans la vie, Frédéric. En essayant de te laisser faire de ta destinée ce que tu voulais et en espérant que tu t'épanouisses et que tu sois heureux, évidemment. Et nous voilà ce soir. Si je comparais nos vies à un match de hockey, je dirais que tu viens de terminer la première période. C'est donc l'heure d'un bilan. Mais rassure-toi, je ne vais pas jouer les Don Cherry. Je n'ai ni son costume, ni son bagou, ni son acrimonie. Mais comme tu as toujours été mon joueur préféré, je ne peux m'empêcher de faire quelques commentaires. Dès la mise en jeu, tu t'es fait remarquer. Si nous n'avions pas pris garde, les éducatrices du jardin d'enfants Courville t'auraient carrément kidnappé. À l'école, c'était facile. Je t'ai permis de sauter une année. Tu es né avec des patins aux pieds. Alors, au hockey, tu as brillé dans un rôle qui est un peu devenu ta position de vie. Un roc, un rempart, difficile à franchir, mais un défenseur qui sait saisir l'occasion pour passer à l'offensive. Tu nous as encore prouvé ces derniers mois, avec la cascade de décisions importantes que tu viens de prendre, que c'était le cas, et celle d'aujourd'hui n'en est évidemment pas la moindre. Pour parler de hockey, je te rappelle que c'est toi qui m'as appris à patiner. Et à freiner, comme un vrai hockeyeur. Tu sais, sur le côté. C'est pas évident, j'avais 40 ans. Bon. Frédéric, je garderai toujours le souvenir attendri de ces parties improvisées dans le parc à JPK. JPK, all the way. Même au lendemain de tempête de neige. Cela fait partie de des meilleurs moments, effectivement, que nous avons passés ensemble. Ton enfance a été sans accroc particulier. Tu as commencé à jouer au golf, inspiré par tes grands-parents, bien sûr, mais revenu au Québec, tu as commencé à jouer au Rock Pile. C'était parce que, avec Jeff,
parce que son père voulait que, que son fils apprenne le français. Résultat, c'est toi qui es bilingue. Comme tout parent, j'appréhendais l'adolescence. Mais je crois que tu as bien traversé cette passe. Ou plus exactement, comme tu es assez réservé, c'est ce que tu nous as donné à comprendre. Bien sûr, un coup de fil. Bien sûr, un coup de fil à minuit pour m'apprendre que tu avais fait une sortie de route, cela glace le sang. Mais c'était sans conséquence, comme ces quelques autres avatars qui n'étaient que des apprentissages de la vie. Tu es parti aux États-Unis et tu es entré un peu plus dans un monde qui m'est étranger, celui du golf. Je crois que tu étais heureux là-dedans et même si nous ne partagions pas la même passion, et je le regrette, tu me savais présent. Mais revenons au match. C'est vers la fin de la période que tu as explosé, comme on dit dans le monde du sport. Il a fallu ta rencontre avec Pascal pour nous révéler, dans toute sa mesure, l'homme que tu es devenu. Comme dit Françoise, le papillon est sorti de sa chrysalide. C'est sans doute cela qui se passe quand la chimie est bonne, comme on dit dans le hockey. L'arrivée de Pascal a changé la tournure du match. Elle a été le révélateur et l'aiguillon qui t'a permis de laisser s'exprimer toute ta sensibilité à l'égard des autres, ta capacité de lecture du jeu de la vie, ton raffinement, ta puissance. Merci Pascal. Je prends la mesure de l'homme qui est devenu mon petit garçon à deux choses. D'abord, ce cercle d'amis qui te sont fidèles. Certains depuis ta plus tendre enfance. Ils sont venus de loin et pour plusieurs jours. Cela témoigne de l'attachement qu'ils te portent et reflète la qualité d'homme que tu es. Tu sais l'importance qu'a pour moi l'amitié. Je suis donc particulièrement heureux que tu cultives toi aussi. Je crois d'ailleurs qu'on peut en dire autant de Pascal et de sa garde rapprochée. Faut-il qu'ils vous aiment, vos amis? La deuxième chose, c'est la chanson que vous avez choisie tous les deux pour souligner l'événement d'aujourd'hui. Quand on n'a que l'amour. De l'autre grand Jacques. Qu'on ne s'y trompe pas. Ce n'est pas une simple chanson un peu fleur bleue d'un amoureux transi qui n'aurait Dieu que pour sa dulcinée. C'est un hymne beaucoup plus universel. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon, et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons, amis, dans nos mains le monde entier. Cela en dit long de vos valeurs humaines à tous les deux. Et je suis heureux que tu aies trouvé une compagne qui les partage. En voyant ce que tu es devenu, je me dis qu'il avait bien raison, Gibran. Et je suis heureux d'avoir été avec ta mère, l'arc par lequel tu as été projeté dans la vie. J'aimerais d'ailleurs profiter de la circonstance pour rendre hommage à Monique, qui m'a donné deux très beaux enfants, et rendre hommage à sa générosité. Et je salue également ses parents, pour qui j'ai la plus haute estime. Enfin, pour revenir aux commentaires sur le match de la vie, tu conclus la première période par un feu d'artifice, un mariage. Il y a d'autres formes d'union, et elles sont toutes bonnes, pourvu qu'elles reposent sur un engagement fort. Vous avez choisi tous les deux pour consacrer le vôtre, une façon solennelle, de dire à vos amis, voici la femme que j'ai choisie, voici l'homme que j'ai choisi. Pascal, connaissant mon fils, pour autant que je puisse connaître celui pour qui tout est toujours facile, mais quand même un peu difficile, je sais que tu as trouvé en lui un homme solide et sérieux, qui sait s'amuser, mais qui est aussi un homme d'engagement. Et je crois bien que lui a trouvé en toi une partenaire du même acabit,
avec les mêmes talents et les mêmes qualités, et s'ils ne sont pas identiques, ils sont complémentaires. Bref, une femme de tête et une femme de cœur. Tous les deux, vous êtes bien lancés dans la vie. Vous n'avez plus besoin des arcs tels des flèches vivantes, que telles des flèches vivantes vous avez projetées. Mais sachez que vous aurez toujours autour de vous deux familles qui veulent votre bonheur, qui seront toujours là en soutien, même si c'est dans les estrades et pas sur la glace. En conclusion, j'aimerais vous rappeler cette citation que Frédéric nous a dédiée l'an dernier. Un mariage heureux, c'est une conversation, une longue conversation toujours trop courte. Et tu avais eu la délicatesse, Frédéric, de choisir un auteur alsacien. À moi de vous souhaiter à tous les deux le bonheur et la joie, que votre union soit plus grande que la somme des parties, et si vous devez avoir des enfants un jour, je ne formule qu'un vœu, que vous puissiez être aussi fiers d'eux que je le suis des miens. Bonsoir tout le monde. Alors, je chante pas pour vos heureuses oreilles. Parce que Marjo, hier et moi, Marjo, on a dû échanger nos voix. Ça va être beau l'Octoberfest. Bon, moi, on m'a pas parlé de temps limite. Alors, j'aimerais bien qu'après 10 minutes, la musique commence pas, là. Parce que, apprécié. Alors voilà, ça va comme suit. Il est rare que je me cite, mais voici. Pour vous mettre en contexte, il s'agit d'un extrait du discours que j'ai tenu lors de la réception du mariage de mon cher papa et de Françoise l'année dernière. Ça va comme suit. Il m'a fait confiance et m'a laissé faire mes propres choix, mes expériences. Pas facile de lâcher prise pour un papa qui vérifiait tous mes devoirs. Bien plus qu'avec Frédéric. Mais on sait bien, Frédéric, ce petit garçon si mignon, si gentil, qui avait toujours les meilleures notes. Enfin, c'est un autre sujet. Il se mariera peut-être un jour et j'aurai l'occasion de lui faire un discours. Me voici donc prise au mot. Hein? Par où commencer? Quel ton prendre? Il y a quelques semaines, on fêtait le 60e anniversaire de mariage de mes grands-parents ici présents. Bravo! Et après, un 60e, une fête qui a duré 4 jours. Faut croire que c'est de famille. Et pendant une de ces soirées-ci, Frédéric me parle, là, tu vas faire un discours et tout ça. Il me dit, est-ce que tu vas me rincer? Je sais pas, on va voir. Je n'avais pas encore terminé, je savais pas trop quel ton prendre. Allez, je me lance, advienne que pourra. Mon cher frère, toi que j'ai d'abord appelé Guillaume, Frédéric n'était pas mon choix. J'ai eu bien des noms pour toi. Alors que secrètement, nous pouvions nous détester autant que nous aimer. Comme tout le monde, j'ai adopté Fred, au grand malheur de maman. Mais bon, c'est encore mieux que Fritz. Hein? Excusez-moi, il faut que je suive le texte. Tu sais, pas improvisé. Bon. Tu étais mon petit frère, à qui je devais montrer l'exemple. Tu es l'aîné, Mylène. On donne l'exemple. Donne exemple à ton frère. On ne rapporte pas, Mylène. Arrange-toi avec ton frère. Je t'ai ouvert le chemin après avoir gagné quelques batailles auprès de maman et papa qui avaient un plan bien précis. Et voilà qu'avec toi, ils ont lâché prise. Tu avais, disons-le franchement, beaucoup plus de passe-droit que moi. Et si le passe-droit ne t'était pas accordé, tu trouvais bien le moyen d'obtenir ce que tu voulais. Maman, est-ce que tu me feras un lunch? À
20 ans. Alors qu'il travaillait à 2 minutes à pied de la maison, hein? Ne pouvait-il pas se déplacer? Non. Certains diront, comme il est charmant, votre frère. Oui, têteux, c'est ce nom. Il fallait voir Maman Gigi. Pour celles qui ne la connaissent pas, c'était notre nounou, notre mamie. Maman Gigi fondait carrément devant lui. Madame Mouton, professeure secondaire 3 en français. Ah, Mademoiselle Lemel, j'ai aussi votre frère cette année. Il est beaucoup plus sage que vous. Vous devriez le prendre en exemple. Et voilà que du rôle de petit frère, tu es passé à celui de grand frère, protecteur. Moi qui étais plutôt cigale que fourmi, tu me surveillais de loin. Dans une fête, rapidement tu accourais alors qu'à tes yeux semblait je semblais être importunée par un garçon. Et ce, même dans une foule de 500 personnes. Puis, une complicité s'est développée à travers les chicanes afin de savoir qui pouvait s'asseoir dans le passager avant, à le siège passager, le fameux shotgun. Je ne sais pas si on a de la génération shotgun ici. Ou quelle musique allions-nous écouter en chemin vers Lake Placid? Nous sommes passés de « Donne-moi la manette, c'est à mon tour. Tu me donnes quoi pour connaître tes cadeaux à Noël? On aimerait manger au resto, on se met ensemble pour convaincre papa et maman. » Les parties de hockey, les matchs de volley, les spectacles, les bons coups, les échecs. Mon amour pour John Bon Jovi et le tien pour Rage Against the Machine. Beau Capharnaüm pour nos parents et les voisins. Et puis, s'en est suivi le support. Le premier, t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Le, veux-tu venir avec moi présenter une offre d'achat sur un condo? Frédéric, il sonne à ma porte alors que Louis avait 2 semaines et me dit, j'ai 15 minutes avant d'aller travailler, si tu vas aller prendre une douche, je suis là. En écrivant ces lignes, je réalise à quel point notre relation est précieuse. Tu as été présent dans chaque moment important de ma vie, les plus beaux comme les plus douloureux. Tu sais d'où je viens. Tu représentes pour moi à la fois maman et papa. Beaucoup plus papa en vieillissant. Un homme droit, généreux et sensible. Tu sais comme moi que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Parce qu'elle a beaucoup de chance dans ce cas. Nous, les Lemel, on a beaucoup de mal à flâner au lit. Nous, les filions, on veut avoir assez de temps pour savourer chaque instant de la vie. On a tellement peur de manquer quelque chose. C'est aussi de là que l'on vient. À moitié alsacien, à moitié franco-manitobain, un jour, tu mets du picon dans ta bière et l'autre, tu mets du clamato devant une partie des Canadiens. Aujourd'hui, nous fêtons parmi les Acadiens. Quel beau mélange et quel beau mariage, disons-le. Aujourd'hui, c'est un grand moment dans ta vie, mon cher frère. Nous sommes tous témoins de ton amour, de ton choix. Pasteur. Ma chère pasteur. Aujourd'hui est aussi un grand jour entre toi et moi, comme tu deviens officiellement ma belle-sœur. J'ai fait des petites recherches parce que Pascal aime ça pour des petites recherches. Va checker sur Google. C'est Wikipédia va nous le dire. Ou le petit Robert, le Larousse. Alors le Larousse. Alors, le Larousse désigne le mot belle-sœur comme suit, à la fois la sœur du conjoint. Ou l'épouse du frère ou du beau-frère, donc la sœur du conjoint. C'est un peu mêlant. J'étais déjà ta belle-sœur. Là, toi, tu acquiers ce titre aujourd'hui. Les rôles se mêlent, mais je suis très, très fière qu'aujourd'hui, tu deviennes ma belle-sœur officiellement, même si dans mon cœur, tu l'es depuis vraiment longtemps.
enfin, conjoint, de fait, marié. Tu passes de Lola à épouse. Ça va? Tu te sens bien? Tu te sens bien? Mais on me dit à l'oreille, c'est toi qui as le fond pension, non? Alors Frédéric, hein, tu te sens bien? Bref, belle-sœur, bru, femme, épouse, la tante de mes enfants, depuis longtemps. Ce qui est pas pour moi, c'est que ce soit toi. Toi, cette femme qui nous a séduits dès le début. Je me souviens de notre première rencontre. J'ai dit à Ben, mon conjoint fait... Moi, je suis une Lola, OK? Elle est complètement folle. J'adore. Elle venait quand même juste de traiter maman d'ingrate avec un ton haïtien. OK? Faut le faire quand même. Mais je vais vous mettre en contexte où elle le racontera peut-être. Oh, tu t'arrangerais avec ça? Ben, explique tes paroles. Je me suis dit, on va vraiment rigoler avec elle. Tu ne m'as vraiment pas déçue parce que quelques semaines plus tard, tu disais à mon cher père, « Ah, fais pas chier avec ton latin de cuisine, là! » Il fallait voir les yeux de Benjamin. As-tu vraiment dit? C'est bon, ça va bien. Tout se passe bien. À travers ton côté fou, j'ai aussi découvert une femme sensible. Une femme, comment dire, une femme très famille. Il faut voir quand Pascal parle de sa famille, elle s'illumine. Ses yeux pétillent, elle les aime d'un amour fou. Et pour moi, ça, c'était très, très rassurant. Parce que, en fait, depuis que tu es dans nos vies, Pascal, j'ai jamais senti que Frédéric s'éloignait de nous. Bon, il vient plus le mercredi soir prendre une bière. Mais bien qu'à notre famille s'ajoutait un être formidable, toi. Donc, j'aimerais lever mon verre. Ah, Pascal, s'il te plaît, maintenant. Aux nouveaux mariés, je vous souhaite que ce bonheur que vous vivez depuis presque 2 ans se multiplie avec les années. Je ne voulais pas tomber dans le quétaine de vous souhaiter des enfants, mais bon, les autres l'ont fait avant moi. Alors, je vous en souhaite et j'espère être là chaque pas de votre vie à 9 maisons. Longue vie à vous deux, je vous aime. Je pense que c'est clair. Moi, c'est Catherine. Je suis la sœur cadette de la mariée. Quand je regarde les mariés, je suis élue. Je sais que Pascal a trouvé l'âme sœur en Frédéric. Pour avoir marié mon âme sœur il y a 2 ans, je sais que vous débutez une merveilleuse aventure ensemble. Évidemment, je ne connaissais pas Frédéric avant. Donc, j'ai malheureusement pas de croustillante histoire à vous raconter à son sujet. J'en suis certaine que c'est l'homme parfait pour ma soeur. Il est intéressant, il est à l'écoute, il est sensible et surtout, il s'occupe bien de ma soeur. Ce que j'admire le plus du couple Pascal et Frédéric, c'est le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Et pour connaître bien ma sœur, je sais qu'elle respecte énormément Frédéric et qu'elle l'admire énormément. Pascal, t'es tellement belle! Je suis chère, te dire, excusez-moi. Je trouverais vraiment spécial qu'on partage ces journées ensemble aujourd'hui. Je me sens si choyée de t'avoir comme ça. Le fait d'être ta sœur me donne une place privilégiée dans ta vie. Car vous,
Vous connaissez la Pascal excentrée avec la grosse personnalité. Mais moi, je connais la vraie Pascal. Pascal peut être discrète, attachante, sensible. Et je me trouve extrêmement choyée d'être si proche d'elle et surtout d'être aimée par Pascal. Dans la vie, on a tous des relations qui sont plus significatives que d'autres. La relation que j'ai avec ma sœur est l'une des plus importantes que j'ai eues dans ma vie. C'est un peu difficile à expliquer et je suis très émotive en repensant à tous les moments qu'on a passés ensemble. Car c'est tellement rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, sur qui on peut compter dans toutes les étapes d'une vie. Notre histoire d'amour a commencé à ma naissance, je pense. Elle me dit que j'étais comme sa petite poupée vivante. Mais moi, je me souviens que Pascal me bécotait tellement que j'en suis venue à lui donner une limite de bisous par jour. OK, Pascal, c'est suffisant. Elle avait aussi une drôle d'habitude. Elle me faisait le rouleau compresseur. Cela consiste à me rouler dessus. C'est un peu gênant à dire, mais ça arrive encore aujourd'hui. Aussi, en tant qu'elle est née, Pascal avait, comment dire, tracé le chemin de la discipline parentale à la maison. Je pense que Mylène en a parlé un peu tantôt, mais là, Pascal est née, moi je suis la cadette. Donc c'est un peu différent. Et elle avait un couvre-feu, puis elle le respectait religieusement. Elle rentrait à la maison, même si mon père était couché, elle le réveillait pour le dire « Papa, je suis arrivée. Regarde, j'ai respecté le couvre-feu. » Moi, quand j'arrivais au même âge, ben, il n'y en avait plus de couvre-feu. J'ai un bon exemple, il y avait les parties de hockey au secondaire. En 10e et 11e année, Pascal ne pouvait pas rester jusqu'à la fin. Puis quand elle est arrivée en 12e année, elle pouvait finalement rester jusqu'à la fin de la partie de hockey. Mais moi, c'est aussi à l'âge où j'avais envie de l'accompagner. Là, je l'accompagnais, mais moi, j'avais envie, j'avais le droit de rester jusqu'à la fin, même si j'étais seulement en 9e année, parce que je devais rentrer avec elle. Fait que là, je l'entendais souvent se plaindre un peu de la situation, parce que c'est injuste. Mais bon, elle n'était pas réellement fâchée, parce que entre moi et elle, il n'y a vraiment jamais eu d'histoire de jalousie. 3 ans de différence et tellement différente. On ne s'intéressait pas vraiment aux mêmes choses. Alors que moi, je jouais avec des Barbies, Pascal jouait avec des figurines de lutte. Alors que moi, je faisais du vélo, Pascal faisait aussi du vélo, mais aussi de la skateboard. Elle n'était pas vraiment bonne, là, mais pas grave. Elle voulait faire comme les petits gars et faire la skateboard. Alors que moi, je regardais Beverly Hills 90210, parce qu'elle regardait des vieux films en noir et blanc. Moi, je regardais Oprah Winfrey parce qu'elle regardait Maureen Povich. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, mais c'est comme un talk show, mais beaucoup moins classe. Mais en fait, on regardait ensemble Maureen Povich. Je pense que c'est là qu'est venue notre peur commune d'avoir des jumeaux nerveux. C'est là! Après que Pascal elle a quitté la maison pour ses études, quelques années après, on a eu la chance de demeurer ensemble à 2 reprises. Une fois lorsque, pendant une année, lorsqu'on a étudié à l'Université de Moncton, puis après, lorsqu'elle est déménagée à Montréal, je suis allée la trouver pour passer un été avec elle à Montréal alors qu'elle travaillait dans un centre pour les jeunes. Puis, ce fut une
tellement un bel été. On était inséparables les deux. Parce que c'est un peu triste à dire pour Frédéric et ses femmes. Quand Pascal et moi, on est ensemble, on n'a pas besoin de personne d'autre. Là, j'ai écrit, j'exagère, mais bon. C'est en écrivant le discours que j'ai réalisé beaucoup de choses. Quand Pascal est déménagé au Québec, elle s'est épanouie. Âgée à peine de plus de 20 ans, Pascal avait toujours, disons-le, été un peu plus dépendant de mes parents. Mais elle partait seule vivre à Montréal et étudier à Montréal. Et c'est là qu'elle s'est épanouie. Elle a beaucoup grandi. Et a trouvé l'homme de sa vie. Ça me rend un peu triste. Parce que je sais qu'il y a beaucoup moins de chances qu'elle revienne vivre en Acadie. Mais je sais qu'elle a une belle famille et beaucoup d'amis qui s'occupent bien d'elle. J'achève. Tout ça pour dire que Pascal a pas un parcours typique. Non, c'est pas une fille typique. C'est pas une fille ordinaire non plus. Ma soeur est extraordinaire. Elle a toutes les qualités du monde. Elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle est généreuse, elle est attentionnée. Ma soeur, c'est simple, c'est mon idole, c'est ma meilleure amie. Donc, je pourrais vous parler longtemps encore de Pascal, mais je pense qu'on a assez parlé. Je veux la remercier parce que je veux te remercier d'avoir été la meilleure sœur et la sœur idéale. Pascal, qui croyait que j'allais faire de la télé, parce que dans une autre vie, je voulais faire de la télé, me disait toujours, tu vas me remercier hein, quand tu vas aller chercher ton géant. Ben là, je dirais que c'est encore mieux de te remercier et de te féliciter devant un auditoire de gens remplis qui t'adorent. Donc, je souhaite à Pascal et Frédéric longue vie. Je vous aime beaucoup. Frédéric, bienvenue dans la famille. Je suis heureuse d'avoir enfin un petit frère. Parce qu'en plus d'être plus jeune que Pascal, il est aussi plus jeune que moi. Et pour terminer, je sais que tu voulais rien de Kéten, mais tu es plus fort que moi, je suis Kéten. Alors, avec l'aide de mon talentueux mari, je t'ai préparé un petit livre. Faudrait pas dire ça à personne, mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas, ni un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée avec des petites fleurs pis des chandelles. Allô Pascal, oui, c'est une couverture de bébé. Ça me fait rappeler à la minute où t'es venue au monde, dans un élan d'amour, d'inquiétude maternelle, j'ai crié au médecin qui venait de m'accoucher. Faites attention de l'échapper. Au pire, on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner. C'est tout ce qu'on a besoin. J'aimerais ça danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais peur de te marcher dessus pis de casser un orteil.
J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux, puis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers. Ben au moins nous autres on se comprendra. Au pire on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. Au pire on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. C'est correct. De toute façon, il était... Pascal, c'est tellement pas pareil quand c'est pas toi. J'ai le cœur engraissé, mais c'est correct. De toute façon, il était rendu trop maigre. Car, comme tu sais, demain, c'est la journée la plus chargée de l'année. Comme ça, okay. Bonjour! Comment ça va? C'est ça! Le laboratoire de chimie, là, ils m'ont transplanté un verre, là. Et là, je bouge comme un verre. J'ai des verres dans le derrière. Attendez. Alors, bonsoir à tous. Pascal et moi voulions vous adresser la parole afin de vous transmettre nos plus sincères remerciements et pour votre appui et votre générosité. Quand nous avons annoncé nos fiançailles, la réaction fut unanime. Vous étiez tous si heureux pour nous. Par contre, plusieurs nous ont demandé pourquoi le mariage. Eh bien, pour nous, c'est l'occasion de crier sur tous les toits à quel point nous nous aimons. Le fait de porter le signe visé de notre amour démontre que nous nous aimons. De porter les alliances aux doigts nous rappellera quotidiennement notre amour. Là, c'est difficile de me fier à un texte, je trouve ça très difficile. J'ai seulement envie de rétorquer à tous les discours que j'ai entendus et vous expliquer avec plusieurs détails pourquoi j'ai dit Albert, fais pas chier ton latin cuisine, mais plus tard je serai assis au sofa, je vous l'expliquerai. C'était très pertinent, c'était effectivement un commentaire qui se devait être fait. Okay? Alors, j'ai marié un homme, vous l'avez entendu, loyal, intègre, qui se fie dans la vie. Alors, je reviens au texte avant de me faire chicaner. Nous sommes chanceux d'avoir trouvé l'amour et nous sommes convaincus d'être l'âme sœur de l'un et l'autre. Et oui, nous croyons maintenant aux comédies romantiques, aussi quétaines soient-elles. L'amour n'est pas que désir, admiration, mais complicité et intimité. L'amour prend plusieurs formes et peut être parfois difficile à comprendre. L'amour se trouve des fois dans des endroits impensés, lors de moments inusités et ou par moments par des personnes entremetteuses. C'est pourquoi notre premier remerciement s'adresse à nos deux amis, Mélanie et Eric. Nous aurons à tout jamais une dette envers vous. Vous nous avez permis de nous trouver l'un et l'autre. Merci. En deuxième nœud, nous voulons remercier nos familles. C'est grâce à vous que nous sommes les personnes que nous sommes aujourd'hui. Vous avez formé nos caractères et nos personnalités, développé toutes nos qualités ainsi que nos défauts.
Oui, oui. Nos défauts vous appartiennent. Vous avez été là dans tous les moments de nos vies, les hauts, les bas, et nous savons que nous pouvons compter sur vous, peu importe ce que la vie nous réserve. Maman, ta générosité est indéniable, ton amour encore plus. Notre complicité et notre relation nous permettent de se côtoyer quotidiennement et de travailler ensemble en équipe, comme associés, et non comme mère et fils simplement. Tu m'as permis de devenir l'homme que je suis, tu m'as transmis beaucoup de choses dans la vie. Mais mes principaux atouts, ma sensibilité et mon écoute, sont les outils qui me permettent de m'engager en mariage aujourd'hui. Merci. Papa, tu as toujours été là pour me supporter et m'épauler dans tous mes projets et aspirations, malgré pas souvent être tes premiers choix. Ça ne devait pas être facile par moment pour un Français d'élever un petit Canadien québécois. Il y a eu le hockey, le golf, ensuite même l'école en anglais. Tu m'as transmis ta générosité, celle qui nous a permis de réaliser tant de rêves. De toi, j'ai appris la loyauté et je sais que tu seras toujours là pour nous. Tu as été le premier à qui j'ai dit mon intention d'épouser Pascal et encore une fois, ton support et tes conseils n'ont pas manqué. Je sens que ce moment nous a rapprochés grandement. Merci. Mylène, ma grande sœur, celle qui m'a toujours protégée, celle que j'ai toujours admirée et tenté d'imiter. Ça a été dur parfois de suivre la grande extravertie qui fait du théâtre et du chant. Bon, j'ai jamais su défier mes parents comme toi. Du moins, mon chemin avait été pavé une fois venu le temps de traverser. Ta petite famille est pour moi une grande source d'amour. Vous êtes beau à voir et ce n'est pas un hasard que nous sommes retrouvés rapprochés davantage. Merci d'être vous-même. Un dernier merci au plouf. Pour ceux qui ne le savent pas, les ploufs, c'est le nom que Pascal a donné à sa famille lorsqu'ils se retrouvent tous ensemble. Marie-Claire, Jacques, Claudine, Catherine, Stéphane, Alexandre et Ève. En mariant votre Pascal, je deviens donc un plouf. Et merci de m'accueillir les bras grands ouverts. Tout d'abord à ma mère. Toi, maman, la maman ours, la mère protectrice, qui a donné son cœur et son âme à moi et ma sœur. Merci pour tes paroles réconfortantes ainsi que tes sages conseils. Tu t'es oublié pour nous et tu as fait preuve d'une patience d'ange quand j'étais petite et aussi quand j'étais adulte. Je sais que sans toi, je ne serais pas qui je suis. Tu es l'exemple d'une femme forte et combative qui affronte les vicissitudes de la vie. Merci de m'avoir donné la foi en la vie et dans les êtres humains. De m'avoir transmis la plus belle des qualités, celle d'avoir de la compassion pour les autres. Tu m'as aussi appris l'importance de toujours chercher le pourquoi des choses. Cette façon de vivre m'a... Non, c'est pas ça la fin. Ah, cette façon de vivre ma vie m'aide tous les jours, notamment dans mon travail. Pour toutes ces raisons, je t'aime et je te remercie. Papa, pour ceux qui ne connaissent pas mon père, comme je le connais, j'aimerais vous lire quelques phrases qu'il me répétait souvent alors que j'étais petite et que je grandis. Il nous en a fait part un petit peu plus tôt. Il me disait « Vis aujourd'hui comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours. » Il m'a dit hier « Impossible n'est pas français » alors que la tente était à peine montée à 12h30 avec un plancher avec 4 planches. Alors il m'a dit « Impossible n'est pas français. » Il me dit souvent, il me l'a répété hier, avant-hier et aujourd'hui, « Pascal, rappelle-toi que tu vis dans une maison où il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. » Mon père vous a dit, oui, que demain est toujours la journée la plus chargée de l'année, mais le plus souvent, lorsque je l'appelais avec une difficulté, il me disait, « Tu vas voir, tu diras, ah, nous sommes déjà demain. » Merci d'être l'homme de cœur que tu es. Grâce à toi, tout est possible et merci de m'avoir donné le goût d'aimer la vie. Je veux aussi te remercier pour tout l'effort que tu as mis dans l'organisation de notre mariage.
Ça fait 6 mois que je te vois travailler comme un fou et je dois t'avouer que je me suis sentie mal et gênée de te voir, de vous voir, Claudine et toi, travailler autant. Mais en voyant aujourd'hui le fruit de votre travail, je peux vous assurer que je n'oublierai jamais cette journée. Toi, Claudine. À toi, Claudine, un gros merci d'être dans ma vie, de partager ton quotidien avec mon père depuis maintenant 30 ans. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais derrière mon père, il y a toi. Merci, Claudine, d'être comme tu es. Merci pour ton perpétuel dévouement. Catherine, ma sœur, puis pour tous ceux qui se posent la question, oui, j'avais une queue de robe. Que j'entretenais religieusement, puis quand on l'a coupée, je l'ai gardée au moins 2 ans. Okay? C'est vrai. Alors, je reviens à ma sœur. Ma sœur adorée, ma meilleure amie, ma confidente. Catherine, toi qui étais mon jouet préféré durant toute mon enfance, tu es devenue la personne pour laquelle j'ai le plus d'admiration. Je peux dire que je suis une fan finie de toi. Sache que je t'aime et de ne pouvoir te côtoyer au quotidien me rend souvent bien triste. Je m'ennuie de nos discussions interminables, de notre complicité sans fin. Mais je sais qu'en cas d'urgence, tu seras là en moins de 24 heures. Depuis maintenant 9 mois, je te vois comme la meilleure mère du monde. Je constate tout ton dévouement et toutes tes qualités sont mises à profit pour ton fils. Merci de m'avoir choisi comme marraine de ton petit prince. Je m'engage à honorer ce rôle avec tout mon cœur. Tu es formidable et surtout, ne change jamais. Au Lemel Fillon, merci de m'accueillir avec autant de gentillesse et de générosité. Merci de me faire sentir que je fais partie de votre famille. Ça me fait du bien d'avoir une famille à proximité. Il est vrai qu'il est possible d'aimer sa belle famille. J'en ai maintenant la preuve. Frédéric, mon amour, j'ai visité mon grand-père cette semaine et j'ai vu sur le mur une plaque commémorative pour leur 60e anniversaire de mariage où on pouvait lire « Le véritable amour est celui qui ne cesse jamais de grandir. » Je connais maintenant le secret. Je te promets de t'aimer, de te respecter, t'encourager tous les jours. Je m'engage avec toi, mon amour, à partager avec toi le reste de ma vie. Je t'aime. Pascal, chérie, ensemble, la vie est si simple, si belle. Je suis enfin heureux, Étienne, de te chérir et te gâter toute notre vie. Je t'aime. Aux autres membres de nos familles et amis, merci d'être dans nos vies, vous formez notre quotidien et nous ne pouvons demander mieux. Merci à tous nos amis d'être venus de si loin. Ça nous touche énormément et nous avons hâte de faire la fête avec vous bientôt. Il est vrai que depuis que nous sommes ensemble, on voit beaucoup moins souvent tous nos amis. Une chance que l'on dit que les vrais amis sont ceux avec lesquels les années peuvent passer entre rencontres et que malgré tout, rien ne change. Nous sommes chanceux de pouvoir dire que c'est ainsi avec plusieurs d'entre vous ce soir. Vous avez eu 4 exemples de nos amis qui participent à la journée. Mélanie, Audrey, Jean-Rémy et Benoît, à vous 4, merci d'avoir participé à la réussite de cette journée. À tous, un dernier merci pour nous aider à dire au monde entier que nous nous aimons. Merci de partager ce moment inoubliable avec nous et merci de votre générosité. S'il vous plaît, n'oubliez pas de signer le livre d'or ainsi que prendre quelques photos avec le photobo. Ça, c'est le beau protocolaire. Ça, c'est toi qui écris ça. Hein? Faites de cette soirée à notre image. Laissez-vous aller et amusez-vous. Merci encore.
yeux qui commet ses rêves, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Un couple danse, une fillette passe un plateau, un vieux cousin par alliance nous fredonne une valse au piano. Des parents sont venus de loin, San Francisco, Paris, Berlin. Il y a les amis, les voisins, avec des cadeaux plein les mains. Ta mère sous son chapeau est fière, Nonna et Nono je l'espère, partage ton bonheur de là-haut, ils manqueront sur la photo. Ma fille se marie sous le ciel d'Italie. Ma fille se marie ici où j'ai grandi. Ma fille se marie, la fête est réussie. Ma fille se marie, elle est tellement jolie. J'ai l'impression d'être dans un film où j'ai perdu mon héroïne. Avec ce garçon près de toi,
qui t'a volé un peu à moi. Entre la joie et le chagrin, j'hésite encore, je n'y peux rien. Je garderai mes émotions, mais je t'en prie, fais attention. Je vous attendrai pour les vacances, avec le petit qui viendra, et veillerai sur son enfance, comme je l'ai fait un jour pour toi. Ma fille se marie, le champagne coule à flot. Ma fille se marie, et en plus il fait beau. Ma fille se marie sous une pluie de riz. Ma fille se marie et ainsi va sa vie.